Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment ajouter des citations à tweeter sur vos contenus WordPress. Donc pour ce faire, on va installer et activer l'extension Better Click to Tweet, disponible gratuitement sur le dépôt officiel WordPress. Et le but du jeu, c'est donc d'afficher dans vos articles ou vos pages des citations comme celle-ci, qui, quand vos visiteurs cliquent dessus, ça va leur créer un message préparamétré à tweeter. Donc, ils n'auront plus qu'à éventuellement apporter des modifications et ensuite à cliquer sur tweeter pour le publier sur leur compte Twitter. Donc, une fois que vous avez installé et activé votre extension donc Better Click to Tweet, il vous suffit de vous rendre dans l'article ou n'importe quel autre contenu que vous souhaitez agrémenter d'une citation à tweeter. Vous positionnez le curseur à l'endroit exact où vous souhaitez publier cette citation et vous cliquez ensuite sur le petit oiseau Twitter que vous retrouvez dans la barre des outils. Ici, vous saisissez votre citation. Ah, je ne fais pas dans l'originalité, excusez-moi. Et ensuite, vous pouvez optionnellement ajouter le nom d'utilisateur à tweeter. Donc, c'est toujours bon de mettre votre nom d'utilisateur. Donc, vous savez, le fameux arrobase, votre nom d'utilisateur. Sauf que là, il ne faut pas mettre le nom du, faut pas mettre l'arrobase. Je vais vous montrer. Sur mon site, j'ai volontairement fait la faute. Vous voyez, si on clique dessus. En fait, moi j'avais mis l'arobase et donc du coup on se retrouve avec deux arobases. Donc ici, il faut surtout pas remettre l'arobase. Donc si je mets mon bon nom d'utilisateur, une autriche sans l'arobase, je clique sur OK, je clique sur mettre à jour. Et maintenant, on va voir côté visiteur le résultat. Voilà, donc on retrouve ici, je saisis ma citation, si je clique dessus, vous voyez, on a bien un seul arrobase, donc ça fonctionnera correctement. Il ne restera plus qu'à tweeter. Je ne vais pas le faire puisque c'est un site de test, donc ça n'a aucun intérêt de partager sur Twitter, mais vous pourrez vérifier vous-même que ça fonctionne parfaitement. J'en ai maintenant terminé avec ce tuto que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.